Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo Haute Fidélité Saumur. Aujourd'hui, c'est la vidéo du salon. On est le 2 avril, il y aura plein de nouveautés. AudioQuest qui sera là, Rega qui sera là, JVC, il y a plein de choses. L'artiste Jocelyn Lefebvre avec de superbes photos. Il y aura aussi Dalier ce soir pour des dégustations. Bref, c'est parti, on y va. Donc, à la source, Rega P10, cellule Afeta 3, sur un amplificateur intégré Rega Aetos. Ici, c'est l'alimentation de la Rega P10, et les enceintes sont des Apertura Edena Evolution. Le tout étant câblé par les câbles Esprit. On est sur quel type de budget sur chaque produit, à peu près, environ? 4005 la platine, 4005 l'amplificateur, 8005 les enceintes. D'accord. Le câblage, selon les niveaux, il n'y a pas de... D'accord. Merci Olivier. Des carrés vastes. Et donc en détaché Ono, on a ici un Aurora Sound Vida, qui traite aussi bien MM que MC en termes de cellules. Celle-ci étant une MC, on est donc en MC bas niveau. Yeah. Nicolas Serra pour AudioQuest, présentation et écoute comparative des câbles secteurs et de la porte des conditionneurs de la famille Niagara. Le 1200 ici, le 3000, le 5000. Donc dans le 1200, on a un conditionneur secteur qui va dépolluer les sources, des prises au courant très peu filtrées pour ne pas tasser la dynamique, parce que vous allez me dire qu'un conditionneur, ça, c'est carrément nuisible pour la dynamique des amplificateurs. L'astuce pour la gamme 3000 et 5000, c'est qu'en fait, on y a intégré des condensateurs, c'est un réservoir de courant. Ici, on a respectivement 55 ampères, 90 ampères qui sont là pour répondre aux appels de courant variables des amplificateurs. Voilà, à venir découvrir chez Nico. Voilà, le
salon se termine. Nous avons passé de très bons moments entre les démonstrations de câbles de traitement secteur AudioQuest, les produits Rega, Lightos, la P10, et aussi l'exposition de Jocelyn qui a vraiment beaucoup plu. Nous sommes en pleine dégustation des cuvées de chez Deulier. Et voilà, à très bientôt. Le mois prochain, ça sera Martin Logan. N'hésitez pas à venir nombreux. Salut!